Alors, je vais quand même résumer un tout petit peu qu'est-ce que c'est un concours cosplay pour ceux qui n'auraient jamais vu. Donc, cosplay, c'est le mot valise qui contient donc costume et playing. Donc, les personnes que vous allez voir sur scène ont fait leur costume elles-mêmes. Elles vont devoir jouer leur personnage. Je ressors toujours le même exemple. Mais si on fait un zombie... Je vais me mettre là, comme ça, je vois tout. On peut ramener la télé qui était là hier, non? C'est bien, j'ai pas ma binôme, mais j'ai deux. J'en ai traîné trois cette année, c'est bien. Donc, j'ai essayé d'expliquer. Donc, les personnes qui sont là ont fait leur costume main, ça je l'ai dit. Oui, donc le principe, c'est que si on arrive avec un personnage de zombie, on va pas danser de la K-pop. Histoire de rester un tout petit peu dans le milieu. Que je vais gentiment aller chercher. On les applaudit bien fort. Je m'excuse pour les bruits de la scène, je sais pas pourquoi il y en a. Donc aujourd'hui, nous avons un jury composé de 5 personnes. On a upgradé depuis hier, surtout parce qu'on a 2 duos. Donc notre premier duo, qui sont nos anciens représentants pour le Claraco Cosplay Cup, dont nous avons la sélection aujourd'hui. Donc Tchatch et Kali, qui nous ont représentés beaucoup trop de fois, ECG, WCS. Et après, toi, t'es en solo, mais là, vous êtes en groupe, alors tant pis. Ouais, il y a lequel que t'as pas fait. Yamato, mais ça n'existe plus. Et Sikaf. Et ICL. Prochain, Polymanga. Faut rajouter. Ah bah oui. Ensuite, nous avons la belle Elsa, nous avons Amy, qui a aussi été en duo, donc, mais là, elle est toute seule, représentait donc la Suisse au C4 il y a quelques années, et qui a représenté aussi notre pays au Globalistor la première année. Et j'ai rien répété, hein, c'est que de la mémoire. Et qui nous viennent tout droit donc d'Espagne, nous avons le duo Man Lima, qui a représenté aussi leur couleur au C4, qui seront là pour nous aider à envoyer le meilleur duo de la journée. Et donc, je vous laisse aller vous asseoir et je vous amène vos feuilles tout de suite. On va commencer... Ah, mais les feuilles sont là, c'est parfait. On va commencer avec un jeu vidéo, mais tellement connu. On en a pas eu hier. On va partir sur un duo... Si tu peux bien moi me laisser le temps de lire, qu'est-ce que tu me trolles? Au final, tu fais tout au screen, moi je reste derrière. Hein, On va donc commencer, on va ouvrir ce cosplay show. Tu me piques la vedette, c'est insupportable. On va commencer donc avec un groupe Mario et on les applaudit bien fort. Thank you.
Et là, je pense à nos invités qui n'ont jamais vu une prestation en Suisse. Ils doivent se dire qu'on est bien barrés quand même. Mais on commence bien ou on commence pas bien ? Alors, vous allez les voir parce que cette année, autant en solo qu'en groupe, mais on en a des accessoires. Si on peut éviter qu'ils se cassent une jambe, c'est parfait. Alors je disais, c'est on commence bien ou on commence pas bien ? Ah ! Et on va continuer avec un groupe avec plein de personnages. On va voir si en disant juste les noms des personnages, vous allez deviner le groupe. Après, les potes qui savent qui c'est, hein ? Non, je veux voir qui réellement connaît cette série. D'accord ? On essaye ? Hein. Alors, ils sont 7. Nous avons les personnages de Dan, de Runo, de Marucho, de Julie, de Shun, de Alice et de Mascarade. C'est donc bien un groupe Bakugan. Voyez-moi ça! Super! Ça s'est complètement éclaté! Oui, Dan, je suis sûre que cette pièce est plus grande que toute ta maison, mais ma chambre est là-bas. Ça, ce sont les toilettes. Oh. Oh. Finissons-en! Es-tu prêt à combattre? Un jour, le monde qui m'entourait a changé, lorsque des cartes se sont mises à tomber du ciel partout dans l'univers. Comme elles avaient l'air bien inoffensives, avec un groupe de mes amis, on a inventé un jeu super cool. C'est à ce moment qu'on a découvert qu'elle n'était pas si inoffensive que cela. Elle renfermait d'incroyables pouvoirs venus d'une autre dimension. Je m'appelle Dan. Et ensemble, avec mes amis Runo, Marucho, Julie, sans oublier Monsieur l'expert en personne, Shun, et Alice, nous sommes l'équipe d'élite Bakugan. Mascarade, ta dernière heure a sonné. C'est ce qu'on verra à l'équipe d'élite. Venez, ouvrez-moi. Bakugan au combat. Hydranoid transformation. Bakugan au combat. Noël transformation. Bakugan au combat. Brias transformation. Bakugan, au combat! Skyres, transformation! Bakugan, au combat!
Soyez prêts à tout. La chance est contre vous. Seul au pied du mur, maître de votre futur. C'est le bout du chemin. Le pouvoir dans les mains du monde s'affronte. C'est la rencontre. Ultime étape, ferme l'attaque. Que le bien gagne, gagne, gagne. Avec Bakugan. J'ai pas besoin de leur rappeler de rester sur scène. Pour ceux qui étaient là hier, j'ai dû renvoyer sur scène pratiquement tout le monde. Ils ont peur, ils sont timides. Merci beaucoup. Et pour la suite... Tu me piques mes blagues? Non, c'est pas vrai, j'y ai pas pensé. Qui voit un tapis? Que je précise qu'ils ont failli m'envoyer dans le bide en l'amenant sur scène si j'avais pas fait un esquive de ninja. Il fait 25 kilos, oui, bah oui, bah, oui bah, 25 kilos dans le bide, j'aurais bien voulu éviter. Merci. Sinon, j'aurais vraiment dû finir en étant par terre pour présenter tout. On retourne dans un univers que je connais. Nous allons partir dans du Disney. Le 2 est sorti récemment, très récemment. J'ai rien compris. Effectivement, c'est de la Reine des Neiges, mais du premier. Avec donc bien sûr Olaf et Sven. Non, je rigole. Avec donc bien sûr Anna et Elsa, et on les applaudit bien fort. Plus au centre, plus au centre. Ouais. Vous êtes sur le côté, là. Encore, encore. Oui, encore. Ah bah, ok. Très bien. Fais engueuler là-dedans, là. Eh, ça engueule la présentatrice, ça engueule mes accessoires, ça va pas du tout, ça. Elsa? Do you wanna build a cosplay? Come on out, let's go and craft. I have found an awesome fabric store. Let's get some more, let's shop until we drop. And I'm almost out of hot glue. And I need some paint. Tell me, how should I pay for love? Do you wanna build a cosplay? Or we can go online and buy one. I'm broke. Okay, bye. 2 days before the festival, she wants to start a new costume. The con crunch is real. Even so, it's not just like bibbidi babbidi boo, or wishing upon a star would make an outfit magically appear, right? Do you wanna shoot a cosplay? I'll meet the others at the con. I think some company is overdue. I've started talking to the pictures on the walls. Hang in there, Yaya. It gets a little lonely. All these finished costumes just waiting to be shown. What? How on earth did you manage to finish this fast?
I thought I was the one who uses magic. You are talking with me? Oh, this? Don't worry, Elsa. My cosplay godmother helped making it. Just, let it go. Let us go. Merci beaucoup les filles. Alors hier on a eu quelques... Première, il y a des pinceaux sur scène qui traînent. Aïe aïe aïe. Tiens. Elle a l'oreillette, c'est pour ça, elle me snob pas comme ça. Clairement. Alors donc comme j'essayais de dire, hier on a eu quelques premières, on a eu la littérature avec le Petit Prince, on a eu du jeu de cartes, on a eu du jeu mobile, et là, il me semble qu'on a aussi jamais eu ça en Suisse. Non, ça, j'ai cru que tu me trollais encore. Est-ce que Donjons et Dragons, ça parle à quelqu'un? Et si je dis Critical Role? Vous avez vu qu'on connaissait, je vous ai dit. Elle me croyait pas, elle me dit « Oui, mais s'il y en a au moins un qui connaît !» On serait content. Oui, bon bah, toi ça m'étonne. Donc on va accueillir en prochain sur scène. En prochain sur scène, ça veut rien dire. Les personnages donc de Jester et de Beauregard. Susceptible, celui-là, le magicien. Tout ça parce qu'on a demandé à emprunter l'anneau qu'il transportait. Et en plus, on l'aurait rendu. Enfin, plus tard, peut-être. Il n'y avait pas une inscription dessus? Un truc du genre? Un anneau pour les gouverner tous, blablabla. Mon précieux. On y retourne. Attends. On va y retourner. Mais d'abord, il nous faut un plan d'attaque. Il faudrait réussir à les surprendre. Je pourrais faire ça. Mais tu fais quoi avec ça? Ben, on a dit surprendre. Balance-moi ce truc. Ok, balance-moi ce truc. Maintenant que t'as fini avec tes conneries, on peut continuer? Mal. Et puis pendant ce temps, moi je pourrais me mettre par ici. Et après? Ben après, tu cours vers moi. Et là, je pourrais te soulever. Comme ça. Oh, et je peux faire ça. Oh. Ouais, non. Non, trop d'enthousiasme. On pourrait se faire mal. Ouais, c'est pourri comme idée, en fait. Ouais, c'est pourri. Ou alors, on les assomme et on se tire. Ouais. En avant. Wouhou. Ouais. Cours, Jester, cours. Oui. Merci beaucoup. Pour la suite,
Nous allons avoir un petit peu d'animé, manga aussi, il me semble. Si, oui, je dis pas de bêtises, il y a aussi le manga. J'ai peur maintenant, dès que vous riez alors que j'ai dit un truc pas drôle, je me dis c'est bon, je me suis en train de me faire troller derrière. Ou alors je suis vraiment très très drôle naturellement, ou alors vous moquez de moi. On va avoir ensuite un petit duo de One Piece. Et j'ai envie de dire, cette prestation, je n'ai jamais lu, jamais vu, vous me connaissez, hein. Cette prestation me donnerait presque envie de m'y mettre, mais le nombre de bouquins me fait un peu peur. Mais on va accueillir donc deux personnages très charismatiques. Ouais, non mais clairement. De l'empereur Ivankov et de Sanji. On les accueille sous un tonnerre d'applaudissements. That wow. Merci beaucoup. Et là, tout le monde se demande où je suis posée dans le public. Je suis posée dans le public parce qu'on va vous passer une petite vidéo de nos très chers sponsors. Alors je me suis dit, autant m'asseoir un petit coup. Et là, j'ai la régie qui me cherche, c'est très drôle. On se retrouve juste après la petite vidéo.
Oui, parce que nos concours sont sponsorisés donc par Bernina. Si ça, c'est pas classe, je me demande qu'est-ce que c'est. Un petit applaudissement pour nos sponsors. C'est pas les seuls, hein. Je vous ferai toute une liste après. Mais déjà, je suis pas sûre que tu veux abréger, merci, manque des mots avec Bernie, enfin je... Voilà. Ensuite, on va rester dans l'animé et le manga, avec un animé qui, me semble, a eu un petit renouveau cette dernière année, si je dis pas de bêtises, comme d'habitude, j'y connais rien. Parce que oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser en début de concours, pour ceux qui n'étaient pas là hier, et qui ont l'habitude de venir ici au concours, d'habitude on est deux. Alors je ne l'ai pas mangé, c'est juste qu'elle est en congé maternité, parce qu'elle a une petite puce qui a juste un mois. Donc on a essayé, vraiment, on a essayé de faire un espèce de Skype par Discord pour qu'elle puisse présenter ce prochain groupe, en l'occurrence. Mais ça ne fonctionnait pas, donc elle est toute désolée, mais on n'a pas réussi. Mais on lui enverra. Viens ! Mais viens ! Moi, je suis chaud, il n'y a pas de problème. Mais hé, tu viens, tu présentes le prochain. Ok, je suis chaud, il n'y a pas de problème. Bon, je te laisse. Oh oui, parce que, ah, voilà, ah, on essaie de me piquer mon boulot, machin, machin, mais... Mais s'il te plaît, je rigolais sur l'image. Numéro 6. Ah ouais, trop bien. Oh, faut vraiment que je fasse le kéké. Hein. Alors, du coup, en passage numéro 6, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le groupe Fruit Basket, avec les personnages de Corianda et Kion Sommer. Rends-moi ma feuille. Vous avez fait des photos, les filles, ou pas? Et retour sur scène, tout de suite. C'est le premier que je peux. Faites un petit peu des photos, j'ai l'impression que vous êtes partis super vite. Pourtant, vous êtes rodés, vous le savez. Je me pousse. Oui, à la base, je voulais troller tout le monde, mais après, je me suis dit qu'on allait peut-être m'en vouloir. Merci beaucoup. On va continuer avec un petit peu de jeux vidéo. Si je vous dis Overwatch. On change un peu. Qui ne connaît pas ?
Est-ce que tu habites sous un caillou? Merci. Même moi qui ne suis tellement pas du tout gaming, je connais. J'ai essayé une fois de jouer en ligne avec un de mes accessoiristes. Je suis restée coincée avec mon personnage de Mei, comme ça. Je me suis fait tuer tout de suite. Si j'ai pas l'habitude d'avoir une caméra et ensuite de devoir se déplacer, je suis restée coincée comme ça. Il se moquait de moi au téléphone, c'était très méchant. Mais donc là, on va pas avoir de personnage resté coincé. Je suis malin, j'ai récupéré ma feuille que j'ai dû courir en haut des escaliers pour la récupérer. On va accueillir les personnages donc de Faucheur avec le skin Corbeau et de Fatal avec le skin Chasseresse. On les applaudit bien fort. C'était pas censé être le système de sécurité le plus fiable de la planète. On n'a pas toute la journée. Dépêche-toi. Ça suffit. Tu as pu établir la connexion satellite. Ah, évidemment. Cible localisée. À vous de jouer. Ha ! Des boîtes de conserve. 13 à la douzaine. Tiens, tiens. On dirait qu'on va de nouveau devoir faire équipe. Je surveille tes arrières. Le gant de mon fils est à toi, si tu veux le récupérer. La chance est de mon côté. Hello, monsieur. La cavalerie est arrivée. Fini d'arrêter. Oh. Gagne le vaisseau. Eh bien, cela n'était pas très concluant. Tu n'as pas de leçon à me donner. Pourtant, je surveille toujours tes arrières. Ah. Merci. Rentrons. Sombra nous attend. On va retourner dans un univers que je connais un petit peu mieux. On va repartir sur du Disney. On n'en a pas eu hier. Je dis pas de bêtises, on n'a pas eu Disney hier et là on en a plusieurs, c'est chouette. Si ? Oui, oui, j'entendais Arcanin. J'étais là, mais non, Arcanin, je suis blonde, mais quand même. Oui, Aladdin, je suis désolée. Mais elle coule pas, mais elle coule pas, plus sûre qu'elle est là, elle doit me fusiller du regard. Désolée, mais c'est parce que je l'ai pas vue. Oula, j'en ai choqué, hein. Oui, c'est... Alors, donc, du Disney, un classique, Cendrillon, avec les deux frangines, Anastasie et Javotte,
qu'il va falloir aussi accueillir comme vous savez le faire, parce que vous êtes le meilleur public, sous un tonnerre d'applaudissements. Une fois, dans un royaume lointain, deux jeunes filles vivant avec leur mère. La première, Anastasie, était d'une grande gentillesse. Cendrillon ! Nettoie-moi tout de suite mes chaussures avant qu'elles ne deviennent aussi pouilleuses que toi ! Cendrillon ! La deuxième, quant à elle, se prénomme Javotte. Elle avait une voix aussi cristalline que l'eau d'un ruisseau. disons donc... le roi organisa un grand bal et convia toutes les jeunes filles à marier afin que son fils puisse trouver l'amour. Et bien sûr, les deux sœurs reçurent la fameuse invitation. Une lettre du palais. Du palais ? Cette lettre est forcément pour moi ! Tu plaisantes, j'espère. Le prince a sûrement dû remarquer ma beauté. Toi, Belle ! Laisse-moi rire ! Il suffit ! Une princesse ne se comporte pas de la sorte. Allez vous préparer pour le bal et soyez ravissante. Il est primordial que l'une de vous devienne l'épouse du prince. Allons-y, ma très chère sœur. Le bal venait de commencer et toutes les jeunes filles du royaume s'étaient rassemblées pour rencontrer le prince. Ah ! Mais poussez-vous ! De toute façon, vous n'avez pas la moindre chance. Votre Majesté, nous sommes ici afin de vous de vous rencontrer. Je m'appelle Javotte et voici... Anastasie, votre majesté. Nous sommes les deux plus belles femmes de la contrée. Enfin, que dis-je, du pays tout entier. En plus d'être magnifiques, nous avons plein de qualités. Admirez donc. Prince? Mais où êtes-vous donc? Malheureusement, le prince s'était déjà éclipsé avec... Cendrillon ! Je m'excuse. Merci beaucoup, les filles. Avant de passer à la suite, nous allons faire un petit point sponsor. Nous avons une super vidéo avant. Nous en aurons une autre un peu plus tard. Mais en attendant, je vais vous parler aussi un petit peu des autres sponsors qui sponsorisent ce concours. Parce que un concours, comme je le disais, avec un jury, c'est bien, ça passe d'un défilé à un concours. Avec des prix, c'est encore mieux. Donc, en plus de Bernina qui sponsorise le concours en général, nous avons aussi Arda qui fournit donc des perruques de très bonne qualité. Voilà, voilà. Et cette fois, c'était pas comme hier. Hier, c'était clairement de l'improvisation. Là, enfin, ils savaient pas que j'allais le faire maintenant, mais ça, je sais qu'il est au taquet. Donc, Arda, donc, il fournit des perruques de très bonne qualité. Ensuite, nous avons aussi un prix de Leather Colony, qui est donc une boutique qui vend du matériel et du cuir, donc du matériel pour travailler le cuir, qui est vraiment une super boutique, donc réelle en Suisse, c'est pas en ligne. Ils sont actuellement en train de déménager, comme on le voit sur la première photo, et on s'abonne, clairement. Ils sont en train de déménager à côté de Morges. Avant, ils étaient à Étoile, pour ceux qui connaissaient, donc n'y allez pas. Comme certains que je sais qui y sont allés l'autre jour, ils se sont retrouvés très bêtes devant la porte.
Donc ils déménagent pour des plus grands locaux et vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions, même juste des questions sur le cuir, n'hésitez pas à y aller, ils sont vraiment, vraiment de très très bons conseils. Ensuite, nous avons aussi donc Mamike qui nous sponsorise. Mamike, donc c'est le magasin de matériel cosplay en Suisse, qui hier ont aussi décerné un prix parrainage, qui aujourd'hui donc fournissent du matériel, donc ils sont nos sponsors depuis plusieurs années. Et donc le prix parrainage qu'il y a eu hier, il y en aura un aussi qui sera donc à Polymanga, il y en a un qui sera ouvert à tout le monde, où il faudra donc envoyer, il y aura toutes les informations sur leur site, il faudra donc envoyer un petit mail qui explique pourquoi vous devriez être choisi. Et donc vous pouvez gagner une année de parrainage, donc de matériel, de conseils, de formation. Et c'est vraiment vraiment quelque chose de super, je crois qu'il me semble, j'ai des jurys qui ont déjà reçu ce prix, qui m'écoutent absolument pas. Et les saucisses. Vous l'avez eu, vous les deux, le prix parrainage, en solo chacune. On confirme que c'est top class et que tout le monde doit essayer. Voilà. Ensuite, nous avons aussi la mercerie, donc Maison Rouge, qui nous fournit quelques bons pour nos participants, parce que c'est vrai qu'on aime bien pouvoir fournir des prix qui vont aider nos participants et nos sélectionnés à pouvoir améliorer leur costume et à pouvoir en faire de nouveaux. Donc on remercie vraiment tous nos sponsors et je me demande quand même de les applaudir parce que s'ils le méritent. Merci beaucoup. J'avais un petit blanc pour la suite, mais ceci je ne pouvais pas trop oublier. On va donc retourner donc dans une adaptation d'un livre. Adaptation, il y a eu jeux vidéo, il y aura bientôt série, on a très très hâte. Mais c'est surtout connu donc pour ses films, Le Seigneur des Anneaux. Qui est fan ? Alors, je fais clairement partie des fans. On va donc accueillir les personnages de Arwen et de Aragorn. Mine to give to whom I will. Like my heart. Thank you.
politics is one bold move to change everything. All it takes is the loving you to forget, forget. But I'm having some kind of breakthrough. I'm ready to live. Merci beaucoup, les filles. Pardon. Spoiler alert. À la fin du film, en fait. Non. J'étais très surprise quand j'ai vu l'inscription donc, de nos prochaines participantes. Hey, je peux même m'asseoir. Hey. Surtout qu'il y a 3 minutes, elle me regarde. Je sais où t'habites. Parce que j'ai dû la pousser. C'est pour une mauvaise du chemin. Voilà. Donc, je disais, j'étais très étonnée quand j'ai vu l'inscription donc, du prochain groupe, parce qu'alors, ça faisait des années que je n'avais pas entendu cette musique. Et elles m'ont expliqué un petit peu, parce que c'est vrai que je connaissais donc, le dessin animé, mais je n'avais jamais connu l'historique de ce dessin animé. C'est à la base, on va voir si vous avez deviné, donc un groupe de musique japonais qui, pour se faire connaître un tout petit peu aux États-Unis et en Europe, ont décidé de créer un dessin animé. Mais est-ce que tu fais partie de leurs potes ou pas? J'ai juste super bien décrit en fait, ou t'es juste super connaisseur. Donc oui, effectivement, pour ceux qui n'ont pas entendu, enfin écoutez, j'ai failli dire. Donc effectivement, nous allons accueillir un groupe donc, de Hi Hi Puffy Ami Yumi Show. Pour ceux qui connaissaient Cartoon Network à l'époque, petit revival. Allez, on les accueille bien fort. Oui, tu penses? Oui, écoutons les musiques de nos artistes préférés, ça nous donnera forcément des idées. Je crois pas, non. On devrait faire plus authentique. Country roads, take me home to the place I belong. N'y pense même pas. West Virginia, mountain mama, oh take me home, country road. Et pourquoi pas un remix? Don't stop making pop, DJ, blow my speakers out tonight. I'm gonna fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Don't stop making pop, DJ, blow my speakers out tonight. I'm gonna fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Finalement, pourquoi s'inspirer des autres?
applaudit encore très fort. Parce qu'il y en a une des deux qui était très stressée, pour qui c'est son premier concours, alors voilà. Merci beaucoup les filles. Je me pousse. Avant. Oui, on est d'accord. Avant donc de passer au prochain groupe, je vous propose donc cette deuxième petite vidéo sponsoring et je vais aller me poser dans le public en attendant. A tout de suite. Et donc merci aussi beaucoup à Tanigami pour ce sponsoring. Et je vais vous annoncer qu'il ne nous reste que 3 groupes. Eh, vous êtes au taquet. Hier, il y a eu un petit souci au démarrage. Mais là, franchement, merci beaucoup. Donc pour le prochain groupe, de nouveau un groupe un petit peu plus nombreux. On a eu beaucoup, beaucoup de duos. On va avoir un groupe au perché. Talon. Je parle talon, enfin le reste aussi, mais surtout talon. Je vous demande d'accueillir un groupe de Monster High. Avec les personnages de Cléo, de Frankie, de Clauden, de Laguna et de Draculaura. Vous devez être les nouveaux élèves. Bienvenue à Monster High, la meilleure école pour monstres. Je me présente, Frankenstein. Je suis la plus jeune ici. Mais si, je vous jure, pour tout vous dire, j'ai environ 15 jours. Oh, mais voici mes affreuses meilleures amies. Je m'appelle Claudine Enchantée. Heureusement que vous n'êtes pas arrivée un soir de pleine lune, parce que quand je deviens loup-garou, je suis totalement hors de contrôle, vous comprenez? À présent, je vais laisser parler Draculaura parce qu'elle n'arrête pas de me frapper. C'est à moi? Je suis Draculaura et comme tout bon vampire qui se respecte, j'aime trop les trucs mortels. Sauf le sang, ça c'est vraiment trop dégueu. Mais du coup, à la cantine, ils font des plats sans s'empêcher. Draculaura, quoi? Oh, c'est à Laguna, du coup? À mon tour. Moi, je m'appelle Laguna et j'adore surfer sur de belles vagues le matin. Trop cool! Le meilleur pour la fin. Princesse de Nil, Cléo, première du nom. Soyez les bienvenus dans mon royaume. Ici, je suis la capitaine des pom-pom monstres. D'ailleurs, nous avons préparé une petite choré rien que pour vous. Allez les ghouls, en place. Draculaura stealing my heart. Clouding Wolfie make me howl at the moon. Here you're a fire switch in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has stone cold style.
These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Who? Don't you wanna be in my suit too? Monster, monster, high. Monster, high. Monster, monster, high. Come on, don't be shy. Monster, high. A party never dies. Monster, monster, high. Monster, high. Monster, monster, high. Freaky, shake and fly. Monster, high. We're student bodies. Merci beaucoup les filles. Ah, elle est autoritaire hein, comme accessoiriste, je vous jure. Tu nous fais la même choré ? Non mais vraiment, ils font un travail qui est très important. C'est vrai qu'on rigole souvent avec l'accessoiriste et tout ça, mais vraiment, on les rappellera à la fin, mais on peut les applaudir quand même parce que je ne ferai pas toute seule, clairement pas. Mais il y a toute une équipe qu'on vous présentera à la fin parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais il y a toute une équipe qui est derrière un concours, mais ça, je vous en reparlerai à la fin. On va aller un petit peu dans du jeu vidéo. Ah, les gamers qui sont pas contents, qui a trop d'animés. Avec deux personnages, donc qui s'appellent Hana et Takumi, donc de Fire Emblem. Qu'on va applaudir, comme vous le savez, très fort. J'ai faim. On n'a qu'à chasser, c'est poétique. C'est toi le poétique. Non, mais faites pas votre difficile. Venez. Vous voyez cette poulette? Elle est où la poulette? Vous pourriez lui tirer dessus. Ah oui, mais je n'ai pas mes flèches. Maintenant, on va pas chasser à l'arc. On fera ça demain. Demain? À partir de d'aujourd'hui? Ok, je me tire. Attendez, sire. Encerclons-la. Allez-y, chargez-vous-en. Qu'est-ce que vous foutez? Bah, je la caillasse. Utilisez votre katana. Oh, bah attendez, sire, j'arrive. Mais quoi? Mais c'est vous que je vais caillasser. De toute façon, la poulette est partie. Mais vous avez vraiment faim? Parce que j'ai du saucisson, si vous voulez. Quoi? Mais vous foutez de moi? Beaucoup les filles. Et donc pour ceux qui sont pas trop manches en maths, on va voir donc notre dernier groupe.
un groupe tiré d'un dessin animé qui, visuellement, on pourrait se dire « Ah, c'est pour les enfants » et en fait, pas tant. Si je dis Steven Universe. Et si je vous dis Spinel. Et là, il n'y a que ceux qui ont vu le film qui ont compris. Donc, on va accueillir bien fort, sous vraiment un tonnerre d'applaudissements, pour ce dernier groupe, le groupe de Steven Universe. Let's play a game. I'll show you how it's done. Here in the garden, stand very still. This'll be so much fun. And then she smiled. That's what I'm after. The smile in her eyes, the sound of her laughter. Happy to listen, happy to play. Happily watching her drift away. Oh, but it can be, and it is. I got a new style and a few new toys that are gonna put an end to your happily ever after once and for all. That's right, I heard the story over and over again. Well, to finally meet her other friend. That's right, I heard the story. Don't really like how it ends. Gee, it's well to finally meet her other friend. Finally something. Finally news about how the story ends. She doesn't exist now, survived by her son and all of her brand new friends. Who am I? Who am I? What are you even saying? I'm the loser of the game. You didn't know you were playing. Let's play another game. This time I got to win. Lies on the line. Winner takes all. Ready or not, let's begin. All right, I heard the story. Don't really like how it ends. Gee, it's well to finally beat her other. Merci beaucoup. Alors avant de vous laisser tous partir, donc je vais vous donner deux, trois petites infos pour la suite. Donc la remise des prix du concours se fera donc dans la salle Sakura en zone rose, la même qu'hier, à 17h jusqu'à 17h30. La convention ferme à 18h. Et puis ben moi je propose que toute l'équipe des Zibou vienne avec moi. Est-ce qu'ils m'ont entendu en backstage? Toute l'équipe des Zibou, vous pouvez venir avec moi. Oui, alors chaque régie arrive de son côté. Donc ma version, bah, vous le connaissez maintenant, parce qu'il a... Tire de show. La régie et la régie. Vous les avez vus, vous les avez déjà bien applaudis, mais nos accessoiristes.
Et deux personnes qu'on voit un petit peu moins, mais qui sont tout autant importantes, parce que pour ceux qui savent, nous sommes sur deux étages, donc nos aides, et notre aide aussi pour le jury. Non mais... Et évidemment, un très 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 grand merci à Lynn, qui a fait énormément en amont, et qui évidemment a présenté le concours. Merci beaucoup. Et donc avant de finir, qu'est-ce que ce sera un concours sans photo finish? Donc je vais demander à tous les cosplayers de revenir sur scène. Et si vous prenez les photos, taguez Japan Impact et taguez nous aussi, zibou.ch sur Instagram, qu'on puisse vous repartager derrière. Et il va falloir vous serrer un peu parce que vous êtes nombreux. Profitez, faites des photos et venez nous voir à la remise des prix. Savoir qui va partir représenter la Suisse. C'est vrai que j'en ai pas parlé durant le concours, dis donc. En Hollande pour le C4, donc le Claraco Cosplay Cup, pour malheureusement sa dernière année. Parce que le concours normalement devrait disparaître après. Ouais. Donc, qui sera notre dernier duo à représenter nos couleurs et qui aussi va aller représenter la Suisse à monter au Ditto Cosplay Crown, nous avons sélectionné hier, que j'ai un petit peu complètement oublié, donc Jasmine en solo. Et nous allons donc voir qui va l'accompagner pour aller à monter. Et aussi ben, qui va remporter les places sur le podium. Donc vraiment, venez à la remise des prix, ça peut être vraiment chouette. Et sinon, eh ben, à une prochaine, à l'année prochaine j'espère. Qui c'est qui vient ?